Oh non, il est vide le squelette là. Mais par contre, il y a une bourse. Ça, je l'ai vu. Non, merde, le freeze. Oh. Merde. Ça. Attends. Merde. Attends. C'est bon? Ça a coupé, je sais pas pourquoi. Normalement, ça s'est remis. Mais je suis revenu. Ouais, ok, j'ai eu peur. J'ai regardé, ça s'est remis. Par contre, en fait, je viens de me rendre compte, il y a le chat en plein milieu. Attends, je vais le mettre sur le côté. Putain, depuis tout à l'heure, il y a le chat en plein milieu et on me dit rien. Oui, je me vois. Bah maintenant, tu seras à droite. Putain, t'étais en plein milieu, t'aurais pu me le dire. Ok, alors. Y a rien à faire là, non. Ok. Oh là, ça freeze. Oh là, oh là, oh là. C'est bon. C'est l'eau là qui est freezée. Je crois que c'est ça. Ah, par contre, là, ça freeze vachement là. Ça freeze beaucoup même. Ne reste que les souvenirs. Maman, je passe à la télé! Vraiment incroyable. Visiter des objets, visiter des constructions, visiter de l'herbe. L'herbe, j'en ai rien à foutre. Réticule. C'est quoi les réticules? J'en ai aucune idée. Profondeur de champ. On va baisser un peu. Peut-être ça va faire moins bugger. Petite bourse là. Ça ne mène nulle part. Là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Par ici. Il y a une araignée, il y a une araignée. Elle est là, putain. Je pensais qu'elle était pas là. Merde, 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 merde. Frère, 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 il y a des araignées. Frère, 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 dépêche-toi, il y a des putains d'araignées. Avance! Mais avance, fils de pute! Il veut pas attaquer, c'est un trou de balle. Je vais prendre l'arc. Je n'ai rien à foutre. Oh, le one shot! Ah, ça me dégoûte. Une araignée, elle était bien là-bas. Ton PC est hydrophobe, let's go. Une araignée, elle était bien là-bas dans la salle de bain. Eh ouais. Dans la salle de bain, salle de bain. Elle descendait comme ça de bon matin. Merde. Ma flèche. Ok, c'est bon. Oh putain. On peut dézoomer. Banger, ça. Ok, il y a d'autres araignées. Ouais, mais pourquoi ça lag? La prochaine fois, je pense que je mettrai pas en ultra. Parce que là, bizarrement, ça lag. Et c'est chiant. Ah, t'inquiète, moi aussi, je déteste ces putains d'araignées. Une araignée. Une araignée. Elle était là-bas, dans la salle d'Ibin. Salle d'Ibin. Elle descendit comme ça de bon matin. Non, non, le vin. Le vin. Bourse, du vin et du vin. Oh, 36 or. Oh, mais je suis riche. Tsuki, je suis riche. Attends, ferme ta gueule. Ah, comment t'as fait pour avoir un collègue? Moi, je j'étais la solitude. Moi aussi, je veux être riche. Comment ça, un collègue? Mais j'ai déjà un arc. Oh. Oh, je suis le Dovahkiin. Attends, je mets le casque de Dovahkiin. Moi, c'est ça, c'est le casque de Dovahkiin. Et personne ne peut me dire le contraire. Peut-être. C'est ça l'ours? Oh! La killcam! La killcam! Ah, je crois que je l'avais volée, oui. Ah, d'accord. Après aussi, si tu l'as tué aussi, ça peut niquer. Ouais. Oh, par contre, la killcam, ça, c'est tellement incroyable. Ok, et du coup. On doit aller là-bas, c'est là-bas, c'est ça. Oh, wesh, quoi ça? Ah, attends. Ouais, comment je fais? Je vais faire comme ça. Je vais récupérer ma flèche. Est-ce qu'il y a des choses là?
Fred Freddy Fazbear. Je crois que c'est la sortie. Je savais qu'on allait s'en sortir. Je m'entraîne à l'arc. Qu'est-ce que vous faites? Il ne vaut pas. Bon, vas-y, on arrête. Je retourne dans ma sauvegarde rapide. Tu fous quoi? Non, je voulais voir si je pouvais le tuer, mais du coup, ce bâtard, il s'est retourné. Allez, on y va. Vers bord de ciel! Let's go! Tout, mode survie. Vous devrez manger, vous reposer. Je ne veux pas activer le mode survie, je veux juste profiter. Non, je ne veux pas l'activer. Je veux juste profiter. Attendez. Je vais le shoot de là-bas. Non, je l'ai pas shoot. Il s'en va. Oh, je connais. Tu connais quoi? Impossible de savoir si votre sort s'en sortira. Mais ça va bientôt grouiller d'impériaux ici. Très bien de déguerpir. Ma sœur Gerdur tient la scierie de Rivebois plus loin sur cette route. Je suis sûr qu'elle accepterait de vous aider. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance, je n'aurais pas réussi sans votre aide. Oh, let's go! Je suis enfin libre. Donc, je sais plus où je dois aller. La carte. Donc, je dois aller à Rivebois. Et pour ça, ben, on va passer par là. Alors, je vais juste garder mon arc si jamais on voit un petit animal oui. Sauvage. Rejoignez la belle union des sauvages. Je n'ai pas très envie de rejoindre les sombrages. Je suis en putain. La carte en vert, c'était une purge. Ah ouais? Ça ressemble à quoi la carte en vert? Là, c'est plutôt simple d'accès. Genre, c'est juste tu vas où tu veux. Ne reste que les souvenirs. Regarde, petit raccourci là. Et bim, bah tu marchais dessus. Tu marchais dessus. Oh, c'est horrible. Ah ouais, je confirme là, c'est vraiment horrible. Ah, ouais, je nage. Ah non, je nage pas. Oh, des champignons. Des champis, j'adore les champis. C'est faux, je n'aime pas les champis, c'était une blague. Moi j'arrivais pas à me repérer. Mais tu m'étonnes que t'arrivais pas à te repérer. Allez, on y va. Allez, on court, allez. Allez, du nerf, mon petit. Allez, du nerf. On peut le faire. Allez, ma petite. Allez, on va pas à la salle pour rien. Mais il y avait pas un... J'ai pas skippé un truc là. Il devait y avoir un truc avec des stèles. Je m'en rappelle. Attends. Je vous jure qu'il devait y avoir un truc avec des stèles. Et je l'ai zappé, c'est sûr. Je crois que j'avais buté un PNJ important. Mais PTDR. Frère, j'ai oublié. J'ai pas oublié. Il y a un truc. Oh wesh. Un loup. Hop là. Wesh mon ref. Ne reste que les sous. Ouais, attends, ce truc là. J'ai pété le jeu quoi. Non. Carte. Y'a pas un truc là quelque part? Ou alors c'est là-bas? Non, c'est pas possible, c'est là-bas. C'était là, je m'en rappelle. C'était avant de faire tout ça là. Et genre j'avais de. Papillon. Hop là, j'attrape un papillon. Je suis sûr il y avait un bail comme ça avec une stèle. Je veux aussi être dans la montagne. La montagne dans laquelle. Il y en a plusieurs de montagnes hein, donc. Celle où à la fin t'as un gant en or. Ouais,
c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, un truc de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Je crois que j'ai zappé ça à cause de mon raccourci. Alors, si je me trompe pas, donc là c'est mage. Donc la pierre du mage, la pierre du guerrier. 20% plus rapidement, vous pouvez bénéficier qu'un seul bienfait de signe à la fois. Ok. 20 fois plus rapidement. Bénéficier qu'un seul signe à la fois. Méthode de fertilité, 20 fois plus rapidement, vous pouvez bénéficier qu'un seul bienfait de signe à la fois. La grande avec la neige. Ouais, c'est ça, je crois. Hein. C'est, tu te fais rentrer dedans et à la fin, t'as un grand art. Moi, je vais prendre furtif. Vas-y. Pierre du voleur. Let's go. Allez. On se balade, on se balade. Hein, mais à un moment, faudrait peut-être arrêter de se balader tout le temps. Hein. Allez, bam. On court, on court, on court, on court. On court. Je crois, je suis pas sortable. Et je suis... Attends, j'ai tapé un enfant au village aussi. Mais wesh, les enfants ils sont invincibles, ça sert à rien. Enfin, il y a des modes pour les rendre vincibles. Parce que l'inverse d'invincible, on est d'accord, c'est vincible du coup. Alors. Je m'en rappelle, j'avais réussi à buter un poulet. Sauvegarde rapide. Juste à côté, putain. Ok, il m'a vu, il m'a vu. Il m'a vu. Oh la ref à Minecraft, lol. Juste buter un poulet. Hein. J'ai juste buté un poulet, les gars. Oh, mais t'inquiète, j'ai pas envie de me retrouver dans la merde comme ça. Pouilloui. Doubiloubilou. Allez, on arrête de faire des conneries, Stéphano. Allez, on arrête de se cacher. Et on va directement à Rivebois. Côte, 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 côte. Côte, côte. Code, code, code. T'as un problème, madame? Je vous fracasse, moi. Ah merde, c'est fermé. Bonjour. Papa dit que je me méfie pas assez des étrangers. Mais vous, vous avez l'air aimable. Bonjour, je suis un étranger. C'est pas tous les jours qu'on a des visites à Rivebois. Dites-moi ce qu'il vous faut. Vous avez d'aide à la forge? Ah oui. Et si vous me fabriquiez une dague de fer? Voilà tout ce qu'il vous faut. Allez-y. Je ne sais pas comment on fait ça. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Alors, Alvor. Ah, et du coup, moi, je peux vendre. Ok, let's go. Bon, bah, on va vendre un arc. Mes armures impériales. Que j'ai bien fait de garder, d'ailleurs. Le bouclier de fer. Le casque impérial. Le casque. Le coucher, je les garde. La cuirasse. Ouais, non... Lingot de fer, bah du coup je vais le garder pour faire son truc. La hache. Ah, c'est elle que j'avais tapé. PTDR et les épées impériales, on va en garder une. Et je vends la peau de loup. Et la peau d'ours. Et voilà. Qu'est-ce que t'as, toi? Non. Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut.
Alors du coup, qu'est-ce que t'as toi? Arc de chasse qui est meilleur que mon arc actuel, mais il coûte 150 boules. Et c'est pour un dégât supplémentaire quoi. C'est vraiment un dégât. Armure cloutée, c'est super cher. Armure d'acier, c'est super méga cher. Oui, je l'ai vendu, il me les revend. Oh, le fumier, il me les vend beaucoup trop cher. Oh, augmente la résistance de feu de 15%. Mais ça coûte une blinde. Corridon raffiné, ok. Puis-je utiliser votre Si vous forge? savez vous en servir, je n'ai pas d'objection. La meule permet d'améliorer vos armes. Si vous avez les matières premières requises, vous pouvez utiliser la forge pour fabriquer un objet. Allez, utilisez. Alors. Je veux pas améliorer quelque chose, je veux créer quelque chose. Ok, alors ça c'est pour améliorer. Ok, et c'est quoi pour créer la meule? Ah voilà, et du coup je vais faire sa dague. Voilà, je fais ta dague, frère. À la recherche d'une nouvelle lame. Ouais, j'ai fait ta dague. Qu'est-ce que vous avez? Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous Il n'y faut. avait pas un chien aussi? Si! Et j'avais buté le chien d'ailleurs. Attends. Bon, très bien. C'est ça sa quête, non? Divers. Fabriquer une dague de fer. Ah, je l'ai fabriquée ma dague de fer. J'ai fait ta dague maintenant. Si Mais c'est je un l'ai fait métier, ta putain de il faut dague. changer. Le fer ou l'acier, qui serait mieux en T'es matière pire d'armes et que moi d'armes. en fait. Les enfants c'est pas grave, mais les chiens. Eh hey, quoi couper, d'accord? Voilà. Bah, je te lave, hein. Tiens. Puis voilà, c'est bon. C'est bon, non? J'ai fait ta quête. Je comprends pas comment faire cette quête de merde là. Sa quête à la con là. Forger le fer. C'est ça qu'il faut faire. Putain, tu te fous de ma gueule. Et voilà, apporter dague de fer à Alvor. Ok, je suis juste trop con. Vous êtes du genre sourd. Tenez, Pas voici une mal, dague. mais elle n'est pas très acérée. Et si vous l'affûtiez un peu, il vous faut juste un peu de métal et la meule qui est là-bas. Le métal que j'ai utilisé pour raffiner l'autre là. Merde! Arrêtez-vous! Allez. On recommence du début. Oh my god, il s'est passé quoi là? Putain, je j'ai pas compris. J'ai rien volé, hein. Je vous promets. Vas-y, cours. Cours, connasse. Pourquoi tu veux pas courir? T'as trop de stuff? Même pas. Mais genre c'est même pas. Mais connasse, pourquoi il y a un problème là avec les touches? Sprinter, shift. Il y a un problème, il y a un problème les gens. Il y a un petit problème là. Depuis tout à l'heure, ça allait très bien. Ah, toujours courir. Ok. Mais vous avez l'air aimable. D'accord. C'est pas tous les... Dites-moi ce qu'il vous faut. Ah oui. Et si vous me fabriquiez une dague de fer? Du coup, je vais tout Regardez. revendre. J'ai fait de la merde. Oh putain. Alors, donc, je revends un arc. J'en ai deux entières impériales. J'en vends une. Bande de cœur, je peux pas vendre. Bottes de fourrure, bouclier, casque, casque, cuirasse. Tac, je la garde. Là, je la garde. Ok. Pour le glou, j'en vends une, vas-y. Hop là. Bonne journée. Donc, utiliser forge, sortir, faire.
Voici une dague de fer. Et si vous la fuyez un peu, donc la meule. La meule. Et si vous la fuyez un peu, il vous faut juste un peu de métal et la meule qui est là-bas. Le fer ou l'acier, ça m'a l'air très bien. Vous mettez beaucoup d'applications pour fabriquer vos lames. Elles vous le rendront quand vous aurez besoin d'elles. Vous voulez continuer à vous rendre utile? Et si vous fabriquez une armure? Commençons par tanner du cuir sur le chevalet. Ok. Chevalet de tannage. Mais wesh! Chevalet de tannage. Cuir. Apportez le cuir. Vous êtes du genre sournois. Ah, bien. Beaucoup d'armes et d'armures ont besoin de lanières et de doublures en cuir ou ce genre de choses. Voyons si vous savez fabriquer un casque en peau. Voici les autres choses qu'il vous faut. Bon, très bien. Alors, casque en peau, casque en peau. Voilà ça. Voilà mon ref. Oui. Je devrais vous engager pour m'assister tel que vous travaillez. Améliorons un peu la taille. Apportez ce cuir à l'établi là-bas. Ouais. Hop là. Tremper un casque en peau. Apporter un casque en peau trempé à Alvar. J'ai trempé le casque en peau. Vous avez du talent. Continuez à pratiquer, vous maîtriserez parfaitement l'art de la forge un jour. Pourquoi ne garderiez-vous pas cette dague et ce casque? Vous vous souviendrez peut-être de moi quand vous fabriquerez de l'acier de la forge ciel, n'est-ce pas? Allez, que pour nous attirer sur les voies. La famille de Gerdur est arrivée ici il y a plusieurs générations pour exploiter le bois. Od et elles font tourner la scierie. Moi, je gagne ma vie honnêtement en aiguisant des haches et en entretenant les lames. Ok. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Il serait de mieux en matière d'armes et d'armure. Valet. Merde, j'ai fait de la merde. Il serait de mieux en matière d'armes et d'armure. Du coup, je vais vendre ma deck de fer classique. Mon casque est meilleur, donc je vais vendre ça. Bande de cuir, ça peut toujours servir. Le cuir aussi, donc on va garder ça. Langue de fer, ça peut servir. Streamer forgeron. Ici on est des forgerons. I am a dwarf and I'm digging a hole. Digging a hole. Ah, celle reçoit aucun dégât. Oui. Allez. Voilà, on s'amuse un petit peu hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La nuit ici, c'est super intéressant de venir. Parce que tu peux tout voler. Attends, on va faire de la merde. Sauvegarde rapide. Hop là, personne ne m'a vu. Et pourtant, j'ai volé une épée. Et vraiment, comble de l'impossible. Je vais vendre l'épée que j'ai volée. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je vais vendre l'épée que j'ai volée. On l'a vu, on l'a tous vu. T'es en train de me plagier. Non, je plagie personne. Je ne plagie personne. C'est une mascarade. En plus, ça fait moins de dégâts que mon épée impériale. Eh, vas-y, je vais la vendre, l'épée en fer. Je l'ai volée pour la revendre. Papa dit que je me méfie pas assez. Je m'en fous des étrangers. Dites-moi ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que t'as à vendre, mon ref? Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Eh ben, je vais te vendre mon épée volée. Que je t'ai volée. C'est mon épée à toi. Où est-ce qu'elle est? Non, me dis pas, je peux pas la vendre. Je peux pas la vendre parce que je l'ai volée à lui, c'est ça. Attends, hache de fer. Elle est pas là. Je peux pas voler mes armes volées. Je peux pas vendre mes armes volées plutôt. Ouais, non, je peux pas la vendre. C'est un peu triste, je trouve. Bon, bah, je m'en vais alors. Je vais la vendre à quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un sera intéressé. Attendez. Deux secondes.
Je vais juste me mute vite fait, j'arrive. Eh, pas de bêtises. J'arrive, je vais juste aller aux toilettes. C'est rapide, vous inquiétez pas. Je vais juste mettre un petit message pour dire que je vais aux toilettes.
Du coup, alors je vais voir les messages que j'ai pas vus. Alors tu stream plus avec ton avatar du coup? Non. Pourquoi? Parce que je sais pas il est où. Si, c'est un pipi, t'inquiète. C'est juste que je dois descendre les escaliers et remonter les escaliers. ouais, du coup. Ah tiens, comme par hasard, il revient. Non, mais je te jure, là, je viens de remonter les escaliers, je suis essoufflé. Donc, du coup, tu stream plus avec ton avatar. Non, je sais pas, il est où. Il doit être dans un disque dur et tout. Mais les gigas. Mais je te jure, c'est vrai. Putain, je pète un câble. Mes recommandations, je sais pas de quoi tu parles. C'est pas un pipi, je pense. Si. Ah tiens, comme par hasard, il revient. Et ouais, comme par hasard. Ah ouais, les gigas escaliers. Oui, les gigas escaliers, t'as un problème. Attends, je retire la pause pipi, attends. J'ai oublié. Alors, paf. T'es pas essoufflé à cause du caca, tiens. Non, ça essouffle pas faire caca. Ça fait juste mal au cul, c'est tout. Voilà, moi je le dis. Ouais. Moi je dis les termes. Et les termes, c'est les termes. Attends, on va se cacher dans les arbres. Objet, arme, arc long, ouais. On fait une petite sauvegarde rapide. Il est où le poulet? Ok, il est là. Oh non, le poulet est mort. Ah, c'est bizarre, mais qui aurait un arc qui aurait tué le poulet? Je me demande bien. Tu tires sur une poule pendant le... Eh oh, hein? Je pète un câble. Tu vas me fermer, non? Ah merde, du coup ils s'en sont rendus compte. On retourne au moment où j'ai tué le poulet. Soit ils sont giga racistes et ils aiment pas les rouges gardes, soit c'est bien à cause du poulet. Et pourtant il avait écrit dernier témoin machin tué là, je sais pas quoi. Je suis en train de me taper une barre sur le camouflage caca. Mais wesh. Arrête de te taper des barres. Et tape-toi un escargot. Ok, passons de me casser la gueule, hein. Attends. Ah! C'est pas du bon côté. Okay. Les écouteurs étaient du mauvais côté, je suis en mode wesh. Je voulais de la bouffe, personne ne m'a vu. Fendal pense qu'il peut me dérober Camilla Valerius. J'ai vu un dragon également. Ma mère, peut-être pas si folle que oh non, tu as tué un poulet, tuez-le. Je vais prévenir le Jarl de Blancherive, il doit être informé. Pige-moi quelque chose. Bien sûr, que souhaitez-vous? Pouvez-vous chanter Ragnar le Rouge? Ah, un conte épique et sanglant, ce sera avec plaisir. Ok. Donnez-moi une chance. J'ai de l'hydromel, ouais, j'ai du vin. Très bien. Le faquin pérorait la rapière à la main, se vantant de victoire et d'énormes. Alors, c'est vous qui. C'est mon auberge. Il est normal que je note le passage des étrangers. Le poulet, c'était mon meilleur ami. J'allais lui donner mes sentiments. Quitter ma femme et avoir des bébés poulets avec. Ou à la zoophilie. Puis ensuite, c'est bon, hein, j'ai refresh ma save et du coup, il est vivant là. Kulfric sombrage a échappé aux impériaux. Maintenant, la guerre ne va faire qu'empirer. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé. Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire. On veut satisfaire son appétit, hein. J'imagine. Merde. On veut satisfaire son appétit, hein. J'imagine que ce que j'ai volé, je peux pas. Oh oui, le poulet, j'ai faim maintenant.
Bah mange. Hydromel, ronsoir, luir, ça... Oh putain, c'est trop bien ça. Farine d'os, ouais ouais, du chou. Merci, deux or. Puis j'utilisais le laboratoire. Du moment que vous nettoyez, vous savez comment vous en servir. Mélangez quelques ingrédients et regardez ce qui se produit. Ok. Un peu de blé et de coquerie permettent de faire une potion de soin, au cas où vous ne sauriez pas. Nous avons aussi beaucoup d'ingrédients à vendre. Ok, attends, juste check un truc. Attendez, je dois me remute, deux secondes. Non, j'ai des messages vocaux. C'est pas la même chose. Faudrait que je mette un raccourci sur ce PC pour me mute audio. Il n'y a pas genre à touche de raccourci. Je m'en fous de ça. Je veux juste... Je sais, je sais. Moi j'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup d'amis. Il n'y a pas genre... Dans les touches de raccourci, ils ont même pas ajouté. Non. Ils ont même pas ajouté genre ce mute dans les touches raccourcis. C'est quoi cette merde? À couper le son, let's go. Donc. Attends. Touche de raccourci, faut que je descende peut-être tout en bas. Non, même pas. Ah, ou alors en fait c'est juste je vais là. Attends quoi? Ok, d'accord. Je suis où moi? Attends. Oh là là. Ah ça, voilà. Micro, couper le son. On va mettre attends. Faut mettre une touche que je suis sûr de pas toucher tout le temps. Cette touche là. Donc attends, je vais tester. Ça marche pas. Il y a un problème. Bah non, je sais pas. Comment on a des amis? Tu vas sur internet et t'écris j'aimerais avoir des amis. Donc à la prochaine fois. Est-ce que tu peux dégager s'il te plaît? Merci. Peu de voyageurs passent ici, arrête-toi. Ta gueule. Donc vous pouvez créer des potions et des potions. Des potions et des poisons en mélangeant au moins deux ingrédients. Je sais même pas ce qu'il m'a demandé de faire. Les gens ne viennent pas beaucoup. On va faire aile de papillon, farine d'os. Artisanat, la création de la potion a échoué. Ok. Farine d'os. Et farine. Et... Aile de papillon et griffe d'ours. Ok. Farine d'os et tas de sel. Ok. Mora, machin et tas de sel. Tige de chardon et farine d'os. Ah, voilà. Abandonner la chimie. Oui, j'arrête la chimie. Ta gueule! J'arrive tout de suite. Et il est où? S'il vous faut une chambre, parlez à Delphine. J'ai entendu des choses à propos d'un garçon à Vendôme. Un certain Aventus Aretino. Il essaie d'entrer en contact avec la confrérie noire. Oh là là, la confrérie noire. Quelqu'un s'est introduit dans la boutique de Lucan au marché de Rivebois l'autre nuit. Curieusement, presque rien n'a été volé. Ok. À la prochaine fois. Du coup, quête d'hiver. Adressez-vous à Ventus Aventino, Roger. Je ne veux pas rejoindre la machin des sombrages. Ça, j'ai fait. Ok. Adressez-vous à la guerre dure. Ouais, il est où ce mec? Vous avez déjà assez bu. Ça va faire la bagarre là. Il est où ce mec là dans Rivebois?
Il me casse les couilles, il me casse bien bien les bonbons, ouais. Si vous saviez. Je vais bientôt la lier, demain je me lève tôt. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Voilà, moi je vais continuer, je pense, en 22h30 et après j'arrête. Mais où est ce putain de connard? C'est qui ce mec? Mais pas tout de suite. Oh, pas tout de suite. Ah, attends, c'est là. Ah, c'est toi. D'après Lucan du marché de Rivebois, des voleurs se seraient introduits dans sa boutique. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. No way. Je compte rester jusqu'à 22h30. Mais let's go. Mais elle est trop sympa. Je peux prendre ce que je veux. Je vais te prendre tes trucs. Hydro. Oh, let's go. Oh, t'es trop la goutte. Je veux te marier. Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Pour nous tous, ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre. Mais elle est incroyable. Je veux la marier. Mais le problème, c'est que je crois qu'elle est avec quelqu'un. Et elle a sa hache dans le... Elle a sa hache dans le corps. Elle a sa putain de hache dans le corps. Je suis contente de pouvoir vous... Quelle est la route, donc ? La rivière en direction du nord. Une fois les chutes passées, vous apercevrez Blanche Rive, perchée sur la colline. Oui, il a une hache, mais sa hache était rentrée dans son corps, on est d'accord. Vous pouvez me dire sur le Jarl. Jarl Balgruf ? Je n'entends pas lui manquer de respect. Il dirige la châtellerie de Blanche Rive depuis des années, mais il me semble un peu dépassé. Il essaie de rester neutre dans ce conflit, mais ça ne durera pas. Il va devoir choisir son camp. Et je crains qu'il ne prenne la mauvaise décision. Je n'irai pas jusque-là, mais lui et Ulfric se détestent depuis toujours. Et je crains que Balgruf ne finisse par se ranger du côté de l'Empire à cause de cela. J'ai tout de même du mal à croire que Balgruf choisisse Elisif plutôt qu'Ulfric. Qui est Elisif? Je crois qu'elle répond désormais au nom de Jarl Elisif. Elle a épousé le haut roi Thorig juste avant qu'Ulric ne le tue. L'Empire soutient sa demande d'être nommée haute reine. Je n'ai rien contre elle. Ce n'est pas de sa faute si son mari Thorig n'a pas su résister aux offres de l'Empire. Mais depuis la mort de son mari Thorig, elle n'est plus qu'une marionnette de l'Empire. Ulric s'assurera qu'elle n'accède jamais au trône de haute reine. Non, pas tant que l'Assemblée n'en aura pas élu un autre. Et tant qu'aucun camp... J'aime beaucoup les haches, c'est un câlin. Il y a peu de chances qu'elles se réunissent. Mais ne vous inquiétez pas, Ulfric est notre haut roi légitime. Il boutera l'Empire, et Bordeciel retrouvera enfin la paix. Ouais, de fou. Que pensez-vous de la guerre? Que pouvez-vous me dire sur Rivebois? Certains croient que je possède aussi la ville, mais ce n'est pas le cas. Le Jarl de Blanche Rive possède toutes les terres. Moi, je lui fais un impôt. L'Empire a jadis apporté beaucoup en bord de ciel, mais cette époque est révolue. Bannir le culte de Talos nous a achevés. Le Talmor est partout et empêche quiconque d'honorer les dieux. Je suis contente que Ralof contribue à les chasser d'ici. Si j'étais un peu plus jeune, j'aurais sans doute moi aussi rejoint le combat. Et par matériel, j'imagine que vous entendez des armes et des armures. Alvor peut vous aider, c'est notre forgeron. Comme je l'ai dit, je suis toujours heureuse d'aider. Prenez tout ce dont vous avez besoin, mais restez raisonnable. Ouais, mais non, c'est bon, j'ai plus rien à prendre. Je suis contente de pouvoir vous aider. Elle-même, c'est sûr, elle-même. J'ai une touche, elle-même. C'est sûr, elle-même. Je dis les termes, là, elle-même. Elle s'est tapée le forgeron, c'est sûr. Non, elle-même. Elle-même, elle me putain d'aime. Non, Alvaro, il est avec Sigrid. Regarde. Vous avez un joli visage, pour sûr. Je vous préviens, ne vous approchez pas d'Alvor, mon mari. Oh, la grosse... Petite sauvegarde rapide. Hé, faites attention. J'ai pas touché. Attends, quoi? Elle est invincible. Non, mais wesh. Ah, voilà. Bon.
Oui. Bon, c'est pas grave. Bonjour, ma race. Oui. Il vous faut Elle veut pas parler. Allez, toi, tu veux parler ? Vous êtes à la recherche d'une nouvelle lame ? Non. Mm-hmm. On va utiliser la casserole, on va faire à manger, les copains. Enfin, de la bouffe. Le fer ou l'acier, voilà ce qu'il vous faut. La fantaisie des métaux elfiques, laissons ça aux elfes. Oh ! Aronia et pomme rouge. Faut des pommes. Je peux vous forger un marteau de guerre capable d'écraser le crâne d'un géant comme une coquille de noix. Vous êtes du genre sournois, parce que j'ai des chouettes dagues quelque part par là. Je peux voler son or. Le guide du gentilhomme. Attendez. Lesbienne dans Skyrim confirmé. Bah évidemment. La lecture, le retour. Et ouais, la lecture. Ok, donc on va lire. Le guide du gentilhomme par Michael Lebard. Et on entend ma voix. Bienvenue à tous, gentilhomme. Dans ce guide indispensable au fil de ces pages dont je suis l'auteur, moi, votre humble guide, vous décrirai la belle cité de Blancherive, la perle du Nord. Blancherive offre de nombreux divertissements pour l'homme, en quête d'aventure et de fortune et de bonne compagnie, pour une nuit comme pour une vie. La ville compte non pas une, mais deux excellentes tavernes où trouver serveuses et donzelles à foison. La ville jouit d'une position centrale en bord de ciel, ce qui la rend accessible dans toute la région. Les autres régions. Perché sur un éperon rocheux, Blancherive domine les plaines herbeuses qui les entourent. De hautes murailles de bois... protège ses citoyens des loups, des mammouths, des bandits et autres dangers tapis à proximité. En passant pour la première fois à la porte principale de la ville, vous vous trouverez dans le quartier des plaines. Il porte ce nom car il est le plus bas des trois quartiers de la ville. Et vous y trouverez aussi la jument pavoisée, que je considère comme l'une des meilleures tavernes de tout bord de ciel. Les lieux sont fort accueillants pour qui apprécie les charmes du sexe faible. Une brave dame nommée Hulda, je sais plus c'est quelle lettre. On va dire Hulda. Hulda tient les talismans. Ne vous laissez pas impressionner par son physique froid, car elle brûle de la même passion qui dévore, malgré elle, toutes les nordiques. Sadia. La serveuse est d'une beauté rouge garde des plus exotiques. Cette mystérieuse donzelle pousse votre humble serviteur à vouloir découvrir tous ses secrets. Près de la jument pavoisée se trouve un modeste marché, où j'ai trouvé le grand amour. Loin de moi l'idée de dissuader d'autres chasseurs d'entrer dans la course, car après tout, pourquoi écrire ce livre si ce n'est pas pour vous guider dans ce domaine précis? Mais je dois vous demander de m'accorder une faveur. Son nom est Carlotta Valentia. Elle est d'une beauté inégalable. Elle consacre ses journées à vendre du pain et d'autres produits. Par les dieux, cette délicieuse beauté sera un jour mienne. Vous pouvez également trouver d'autres services dans le quartier des plaines. L'épicerie Bellétor offre de nombreux articles destinés aux voyageurs aventureux et le chaudron d'Arcadia vous fournira les toniques et plantes attendues chez un apothicaire. Arcadia est elle-même fort aimable.
Je lui rends souvent visite pour discuter, car la compagnie d'autres impériaux expatriés m'est toujours agréable. Elle est cependant un peu trop âgée à mon goût. Un gentilhomme mûr trouverait cependant en elle, une compagne de qualité. Si votre lame venait à être émoussée, votre armure pliée, la guerrière s'occupera de vous, tout près de la porte principale. La forgeronne est une jolie nordique répondant au nom d'Adrienne à Venetie. Mais elle est mariée à une brute épaisse du nom d'Ulfbert Ours Guerrier. Adrienne est bien gironde, mais le tranchant de la hache de son époux n'est pas de mon goût. Si vous n'affectionnez que les femmes mariées, faites-vous plaisir, mais je vous aurais prévenu. Près de la forge se trouve le chasseur ivre. Les gentilshommes les plus fortunés s'y retrouvent pour échanger des rumeurs du monde autour d'un verre. Si vous affectionnez la compagnie d'une classe plus distinguée et le vin de qualité, vous vous y sentirez comme chez vous. J'ai peu à dire sur les quartiers des vents. La majorité des bâtiments de cette seconde partie de la ville sont résidentiels, mais vous y trouverez aussi le temple de Kinaret, ainsi que Joravsk, la salle des banquets des compagnons. Si les puissantes guerrières sont votre péché mignon, la salle des banquets pourrait piquer votre curiosité. Vous trouverez cependant peu de divertissement au temple. La prêtresse, Daniga Pure Source, n'a pas d'autre intérêt que les questions spirituelles. Abordons maintenant le quartier des nuées. Domaine exclusif du château du Jarl, j'ai vécu des aventures fort distrayantes entre les murs de Fort Dragon. Je peux vous dire, quelques belles paroles d'un impérial suffisent à impressionner les servantes. En même temps, les nuits de bord de ciel sont froides, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vous cacherai pas avoir visité les géoles de la ville. Une ou deux fois, elles se trouvent dans les étages inférieurs du palais. Pour ce qui est du Jarl et de sa cour, prenez soin de les éviter. Selon moi, il manque autant de sens de l'humour que d'estime pour la culture impériale. En outre, tous sont des hommes fortunés que vous devez considérer comme des avertisseurs de taille. Les Nordiques sont des femmes simples après tout, et sont facilement impressionnées par de beaux habits et une bourse pleine de septimes. Je en conclurai ces pages en espérant que votre quête de femme et de vin soit couronnée de succès pendant ces festivités. N'oubliez pas de penser à moi, votre humble serviteur, et au risque encouru pour vous fournir ce rapport des plus minutieux sur les points d'intérêt destinés aux dignes gentilshommes de cette grande ville de Blancherive. Je n'aurais cependant pas le toupet de dire que le jeu n'en valait pas la chandelle. Après tout, qui voudrait dormir seul dans cette région froide et rude? Certainement pas moi. Et vu que je suis toujours discret, je peux voler sans problème. Je vais sortir. Ok. Bon ben voilà, j'ai fini de lire. Il fait nuit. Quel bon temps pour voler plein de choses. Je suis détecté par la poule. Peut-être que la poule me détecte, mais personne d'autre. Je vais voler cette masse de fer et ce bouclier d'acier. Voilà. Hop là, voilà. T'avais qu'à surveiller tes endroits. Oh là là. Une petite sauvegarde rapide et on part. Et ben on part en direction de Blancherive. Hein. On va regarder la carte. Ouais, faut prendre le pont, puis il faut aller tout là-bas. Ok. Donc, ouais, bah c'est un repère. Bah, ça sert à rien, mais ouais. Non. Supprime. Ça sert à rien de placer un repère, on a déjà celui-là. Ça nous sert déjà très bien. Donc, alors. Mais quel roublard ! Est un problème, toi ? Après, t'as. Ouais. T'as mis un kappa, c'est bien. Doucement. Eh ben, il est plus là.
est disparu, ce bâtard. C'est pas moi, c'est la poule. Ouais, ouais, c'est la poule. La poule, elle a écrit « Mais quel roublard ». Évidemment. Bon, et bon, on suit le chemin. Ah, putain, de l'eau. Ah, putain. On va prendre la petite masse, là. C'est ce qui fait le plus de dégâts dans... Wow, 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 wow. La poule est intelligente. Ouais, ouais, de fou, hein. Allez, on se casse. Oh, le toutou. Ah bah, bye bye le toutou, hein. Ouais, ouais, bye bye le toutou. Ah, putain. Dans la semaine, si j'ai le temps, je pense peut-être faire un live Minecraft ou Bus Simulator. Ça dépend de mes envies. Oh, 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 oh. Il y a des petits soldats. On sauvegarde, prend l'arc. La petite masse et de l'autre main, on va se mettre une petite potion de soin là. Non, oh la pute m'a buté. Attends, on y retourne. Je vais l'avoir cette fois. Je vais l'avoir. Je peux être là que le week-end, donc en avril c'est la semaine. T'inquiète pas, c'est pas grave. Le décès, oui. Alors du coup, on était où? On en était là, donc arc long, hop là, on s'accroupit. Cours mon gars, cours mon gars, cours mon gars. Je vais lui donner une armure. Tiens, prends cette hache. Attends, prends cette dague. Et tenue. Prends ce bouclier, vas-y. Et voilà, c'est pas ma faute maintenant. Et voilà, il est mort. J'aurais pu l'utiliser comme distraction. Maintenant, faut que je cours. Ok, attendez. On va rechanger, on va refaire. Bord d'échelle. Ok, j'ai une idée. On va le donner et on va courir. Donc, hop là, on recommence. Cette fois-ci, je vais l'avoir. C'est bon. Tu fous quoi? Tranquille. Le dessert. Allez. Hop là. Oh merde, il me voit là. Il me voit. Faut pas qu'il me voit. Pourquoi il me voit? Il est pas censé me voir. Il était pas censé être retourné, il y a un problème. Pourquoi il est retourné comme ça? Ok, c'est bon. Il est pas retourné. Ok. Mais je vais péter un câble. Bon, c'est pas grave. Même s'il me voit. Là, en fait, le truc, c'est que je me dis... Ah, mais non. Je sais ce que je vais faire. Il
Il est où le prisonnier là? Bah, le prisonnier a disparu, c'est pas grave. Allez. Allez, on court, on court, on court. Allez, on court, on court, on court, on court. Hop là. Ok, ok. Potion. Il y en manque un, il est où? Il en manque un, non? Ah non, ils sont tous morts. Bon, bah ils sont tous morts. Mais vu qu'ils sont tous morts, techniquement, j'ai plus censé être ma prime. J'ai plus censé. Je suis pas censé avoir ma prime du coup. De l'or. Des flèches. Merci. De l'or, des flèches. Merde, je voulais prendre les flèches. Si tu veux, je sors en ton drac là. Hop là. Hop là, voilà. Ok, donc. Pas sûr que ce soit le bon moment pour rentrer dans un village. Hein. Je veux pas mentir. Hydromel, ok. Hop là. C'est quoi qui me touche? Mais je ne sais même pas ce qui me touche en fait. Hop là, je vais me soigner. Santé. Ok. Un atout augmenté. Voilà la tire, furtivité, furtivité, furtivité. Non, pas ça, pas ça. Oh si, en fait, crochetage. On va faire crochetage. Crochetage. Verrou de novice, voilà. Alors, attends. Faut juste que je vois qui me fera. Oula, ouïe. C'est quoi? Voilà. Attends, bah du coup, attends, je vais prendre flèche d'acier avec l'arc impérial. Bah, s'il veut bien rester à distance, ça me dérange pas. Hein. Mais ouais, il est teubé. Hein. Ah, moi, ça me dérange pas. Hein. Hop là, allez. Comment tuer facilement un garde. Hop là. Hop là. Allez mon gars. Oh là là, il est mort le nulos. Les flèches. L'arc impérial. Est-ce qu'il est meilleur que le mien? Non, il est pas meilleur que le mien. On dirait moi genre. Non, t'es pas teubé, arrête de dire ça. Ouais, le reste je vais pas prendre. Je suis en train de faire de la merde. Oh, il y a une petite poule là. Oh là. De toute façon, je suis déjà recherché. Que je tue une poule ou pas, ça change rien. Ça change que dalle. Vraiment, genre c'est fou ça. Bon, là je suis entre guillemets dans la merde. Mais j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Yeah.
C'est bien chiant. Salut les gars. J'ai l'air robuste. Venez à Yorbast. Voilà une bonne chose de fait. Mais ce n'est pas grâce à vous. J'ai fait de mon mieux. Encore une petite nature qui revient en pleurnichant. La gloire revient à ceux qui triomphent. Et au sein des compagnons, la gloire se gagne à la sueur de son front. Qui sont les compagnons ? Vous n'êtes pas du coin, hein ? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons ? Non. C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Pim, genre, cette décision ne dépend pas de moi. Vous allez devoir parler à Kodlak Blancrin, à Yorvarsk. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Bonne chance, si vous décidez d'aller le voir. Ok. Encore ? Reste pas ici. Combat d'arc. Mais juste, on sait pas tirer. Mais wesh, on sait pas tirer, c'est pas possible. Attends, on va refaire la technique. Vas-y, juste. Oh merde, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche ou ça marche pas, ça marche pas. Bon, alors on va faire comme on peut. Ça veut dire guérison, destruction. On va faire ça, vas-y. Il est aussi con que son pote. Si si. Oh non, il est pas teubé. Il est pas teubé. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je suis mort. Ah, je pensais qu'il était teubé. Je pensais qu'il était teubé, moi. Putain. Au même endroit. Ouais, au même endroit. Mais ensuite, il s'est décoincé. J'ai pas très bien compris. Oh non. Je retourne au début. Oh non. Merde. Je retourne au premier combat. Oh, fait chier. J'aurais dû sauvegarder après les... Attendez, du coup... hop là. Plus un niveau. Allez, on fait ce que j'ai fait. Santé, oui. Non. Compétences. Crochetage. Ok. Maintenant, magie. Destruction. Alors, magie, guérison. Ah. Venez à Yorvast. Vous vous défendez bien. Je crois que vous feriez une bonne sœur d'armes. Parce que je l'ai touché. Qu'est-ce qu'une sœur d'armes ? Vous n'êtes pas du coin, hein ? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons. C'est un ordre de guerre. Ah ouais. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en... Cette dé... Ce vieil... Bonne chance. Ok. Maintenant, je peux sauvegarder. Et je sais pas trop comment... Je... Putain. Reste pas ici.
Je peux pas respirer deux secondes, c'est chiant. Alors maintenant, faut trouver le chemin pour rentrer. Je crois que c'est là-bas. Ok, bon là ça va être compliqué. Ah oui, c'est vrai. Du coup, ouais, je vais arrêter le stream. Je vais rentrer dans Blancherie. Je pense que je vais sauvegarder là. Je suis un peu dans la merde, mais j'en ai rien à foutre. Ok, je suis extrêmement dans la merde. Ils veulent tous ma peau. On va sauvegarder ici. Voilà. Voilà, sauvegarder cette partie, oui. Bonne nuit. Ah ouais, je vais arrêter de jouer. Bonne nuit à tous. J'espère que ce live vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Bye bye.